Pourquoi voit-on parfois des taches bleues sur les couleurs néon? En effet, il est possible de voir des taches bleues qui semblent aller et venir sur les couleurs néon. Cela est dû à l'utilisation de pigments roses de qualité cosmétique. Sous l'influence de la lumière UV, la couleur vire temporairement au bleu. Puis, après l'exposition aux UV, la couleur se rétablit et, à mesure que le bleu disparaît, vous commencez à remarquer ces taches bleues. Normalement, vous ne le remarquez pas car cela se produit assez rapidement, par exemple après une catalysation dans une lampe à ongles ou après une exposition au soleil. Mais en été, lorsque le soleil brille et que l'exposition aux UV est plus élevée, la transition vers la couleur vive d'origine prend un peu plus de temps et vous remarquerez donc ces taches bleues. N'oubliez pas que les taches bleues qui apparaissent et disparaissent sont dues à l'utilisation de pigments cosmétiques dans la formule. Ils sont totalement inoffensifs et cet effet est entièrement réversible pour retrouver la couleur vive d'origine. Vous pouvez minimiser cet effet en appliquant d'abord une couche de couleur blanche sous votre couleur néon. Cela rendra la couleur encore plus lumineuse et facilitera le processus de catalysation. Pour le système Bécolour, vous pouvez utiliser le blanc Extreme White. Pour le gelac, utilisez le Bianchissimo et pour le Sopolish, utilisez le Pillow White.